Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Dr. Frank pour un nouvel épisode de Starfield. Nous reprenons, donc je me suis permis d'avancer un petit peu, hein. Je suis allé jusqu'à la grotte. Voilà, la grotte à explorer. Donc nous allons pouvoir l'explorer sereinement. C'est bien, ça avait sauvegardé d'ailleurs juste au moment de ma TP, donc c'était très bien. Hop, voilà, allons visiter ce truc. C'est parti. Notre dernière grotte. Non. Il faut un peu de lumière. Ok, des trucs pour la découpeuse laser. Il y a un trouillot par ici avec des cadavres dedans. De l'iridium. Merci bien. De l'argent, on prend. Ça nous fera toujours de l'argent. Humour. Vous l'avez la blague? Argent, argent. Je vous laisse méditer la blague. Elle est incroyable. Vous verrez. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y avait un. Ah non, c'était l'herbivore. Une carcasse. Y a quelque chose derrière toi? Ouais, il y a de l'argent. Je veux dire, par quoi que vous rejetez de l'argent avec vos fesses? Haltérophilie, on est bien. Matériaux structurels. Et franchement, voilà. Et ben. Il y a ça, ce machin là. Et il y a ce machin là. C'était la dernière grotte. Ah. C'est moi, il y a des petites pépites ici. Oh, 74 crédits qui traînaient, on les prend. On peut passer par là? Non, ils veulent pas. Voilà, je passerai par là. Allez hop 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 au galop. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir déverrouiller mon dernier niveau d'haltérophilie finalement. Ça c'est quand même bien pratique. Donc alors, je vois qu'il y a un. Vous voyez sur ma boussole? On voit qu'il y a un petit losange dans cette direction. Donc je pense que voilà. Continuez à scanner. Il y a une structure par là. Quelque chose pas loin. Mais eux deux sont relativement à côté. Ah, 204, à côté, vas-y, j'y vais. À côté de chez à côté, hein. Ah si, sur la boussole, je suppose que la pointe. J'ai dit on voit pas le nord, mais si en fait on voit le nord. Ok, donc là on va au nord techniquement. Je sais pas si sauter avec 75% du poids ça compte, mais. Réserve de stockage, lieu découvert. Direct sera éliminé quoi. Pas de pitié ma gueule. J'ai un peu envie de vous provoquer. Hein. Oh la patate que j'ai pris. Question, t'es plus vulnérable à ça? Ouais, les robots, ils ont pas l'air de trop aimer les armes à énergie. Hein. Ça va,
est où? Si, une ouverture et fermeture de porte. Sinon, toi, ça va? Il est hautement recommandé d'éviter d'ajuster le nombre de travailleurs humains au-delà de la capacité recommandée dans notre manuel d'utilisation. Les deux études indiquent que les travailleurs organiques sont hautement inefficaces, moins durables et vulnérables à une variété de facteurs de stress présents sur ce site. Toute modification des effectifs humains ne doit être apportée qu'après validation du responsable de site. Désactiver les effectifs robotisés est interdit et ne doit être envisagé qu'en cas d'urgence. Autoriser les travailleurs humains. Autoriser les travailleurs humains. Voilà. Travailleurs humains 2. Ah, c'est cool. C'est rigolo. Et je suppose que si on était avec Vasco, il aurait dit 1. Bon, on va tout dépouiller, hein, parce qu'on a plus rien à looter. Hop, on va reprendre le pompe. Vas-y, reprends ton pompe. Pompe de papa. On va tout looter de... Tout. Tout. Tout, nous ne laisserons rien. Nous prenons tout. Même si ça vaut rien, je le prends. Même si ça vaut zéro, je le prends. J'en ai rien à carrer. Donne-moi cette assiette. Donne l'assiette. Voilà. C'est bien, t'as compris. Tu as compris qui était ton maître. Donnez-moi tout. Tout. Oh, du PQ. PQ que j'ai le droit de prendre. Parce qu'il y a certains PQ que je ne prends pas. Le simple épaisseur, je ne prends pas. Hein. Seul le double épaisseur a de la valeur, visiblement. Simple épaisseur, c'est un truc de pire, c'est sûr. Nickelby, on l'a déjà lu, hein. Ouais. Le troisième roman de Charles Dickens. Charles Dickens. L'amour du ciel, laissez tomber ces trucs inutiles. Non! C'est notre seule richesse. Bon, et potentiellement tout l'argent qu'on pourrait vendre, mais en l'état, c'est notre seule richesse. Regarde cette manique, la fortune qu'elle vaut. Pas cuisiner les cuisines, on peut pas cuisiner, c'est un peu frustrant, hein. Bon, les unités robotiques, alors on a pris sa douillante, c'était facile en plus, hein. J'ai failli mourir, c'était facile, hein. Ah, l'effectif humain. Vous voyez, eux ils ont des petites lanternes là. Ça serait bien qu'on puisse déployer ces petites lanternes là pour éclairer un peu les zones, les trucs, les machins. Oh, des aligneurs. Let's go. En acier, ok, les trucs, des machins, des billous, ok, il n'y a rien ici. Il me manque le chien. Le chien qu'on n'a pas encore... J'ai pas encore croisé. C'est peut-être elle qui l'a tué, le chien robotique. Parce qu'il y a les 4 modèles A. Et il manque le kleps, quoi. Le yinche. Le klebart. Je vais faire le tour, mais je pense qu'il a dû combattre. Je vais voir s'il est encore dans la plaine en train de chiller.
Il est pas dans la plaine en train de chiller. Je pense que c'est le modèle qui est mort à l'intérieur là, mais qui est bugged. Bon, bah c'était cette station là. On ne détecte rien dans les alentours. Ok. 320, on y va. Aïe aïe aïe, on régène plus, on est trop lourd. Donc je redonne des marchandises à Miss, elle est où? Là. Je suis pas allé sur Mars depuis un bout. N'hésitez pas à m'aider. C'est pas important. Ton lore, on s'en occupera, mais dans un autre jeu vidéo, hein. Enfin, dans un autre jeu vidéo. Un autre moment. Stocker toutes les ressources. Voilà. Et la fifi est pleine, évidemment. Genre, on peut même pas remettre du 0,10. Ok. 146, on peut se déplacer. Bye bye. Normalement, les autres, c'est des sites éclatés. Hein. On va scanner 3 rochers. Si on scanne quelque chose. Si je me contente pas de tirer comme un débile sur tout ce qui traîne. Ça, c'est combien? J'ai oublié. 170 mètres, allez. Ça part. Gisement océanique profond. Y a rien à voir ici. Ou alors il y a des trucs que j'ai rien compris avec leur gisement océanique profond, mais je pense que c'est pour des vaisseaux miniers, des choses comme ça. Boum! Boum! Alors, par bas! Ouais, il est costaud lui! Wow. Merci hein! Je voulais pas se laisser tabasser au sol celui-là. Une bonne victime. Moi j'ai pris le truc. Je lui prends. Témoigne de la présence d'anciennes anciennes disparues depuis longtemps. Ok, ouais, je veux bien. Quoi, c'est de l'eau, c'est quoi? Ah. C'est un agent microbien. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Par là. Mais d'accord que dans ce machin, il y a rien à scanner, hein. Circuler, il y a rien à voir, quoi. Est-ce que ce qui nous manque est un élément de quête ou... Je ne saurais dire. Caillou dirait presque un moulin cassé, mais sans la roue. Ah, il y a encore un truc derrière. On va te scanner. Donc, tu penses qu'il n'y a plus rien dans le jeu, il y en a encore. Mais bon, les grottes sont, bon, elles sont intéressantes d'un point de vue minier, mais... ramasse des trucs que tu ramasses nulle part ailleurs. Enfin, pas que, tout du moins. Pas qu'à cet endroit. Mais bon. Pas non plus. Voilà. Bon, après, ça fait toujours de l'XP gratos. Hein. Toujours rien à scanner. Voilà. Il y a des trucs qui vivent là-dedans. Mais on peut pas. On peut juste faire afficher la ressource, c'est tout. Ah, géologue du Thames. Cosmétique important. D'excréments. Tata. Alors pas de monstre. J'ai venu, j'étais très déçu. Bon, barrons-nous d'ici.
La suite, c'est la grotte là-bas. Suite et fin, hein, parce que je ne vois rien d'autre. On pourrait essayer de se re-TP à un poste lointain pour voir si y a des points sur le radar, s'il se passe des choses, puisqu'après tout, il y a une région de la carte qui a l'air particulièrement vide. Mais j'y crois pas trop. Ceci dit, on aura looté un vaisseau de classe C, hein. On se met bien. Moi qui ai pas les compétences pour, je suis très content. Yep. Une dernière grotte. On se fera une TP ou deux, histoire d'être sûr de confirmer qu'il n'y a plus rien dans le coin. Récupérez bien tout ce qui pourrait être utile sur cette chose. J'aurais vraiment gardé de la place que pour voilà, du néon, des choses comme ça, parce qu'on aurait l'argent. Wow. Ça fait un peu chaud par là. Ouais, l'argent on en a, hein. C'est pas... C'est un faux problème. Hein. Je vois bien un petit plouf. Juste parce que je suis un débile. Bon. Visiblement je suis un gros débile. Ah, j'ai brûlé l'excédent de ma vie. Hein. Ah, c'est bon, c'est ça que je cherchais. Voilà. Je suis en train de me soigner. Voilà, ça va mieux. Excellent. Bon, on a fait un bon tour de crit, hein. On n'aura pas perdu de temps, là, hein. Ouais. Un petit tour et puis s'en va. Oh, tu es trop mignon. Ils m'ont mis cher. Hein? Ah non mais je veux pas transférer dans cette bestiole. Oh, je suis en surpoids. Oh, je pouvais encore me TP, je peux plus me TP. Je suis un abruti. Le flingue, il est sur 6. Ou alors, au lieu de tuer cette bestiole, je prends un point. Je peux pas rendre supérieur. Ah non, il faut que je fasse encore quelques centaines de mètres avec du surpoids. Let's go. Fusil de daron, hein. Let's go. Et voilà, c'est bouclé, ça veut donc dire, donc là on est, non, là on est trop lourd, ah non, je peux me TP, je suis plus genre trop lourd, non, c'est quoi ces conneries, je suis plus trop lourd, je peux utiliser mon point dans autre chose si je veux, pour débloquer la compétence physique avancée. Nutrition. Ah, furtivité, moi ça me le vend. Hein. J'ai pas regardé crochetage si maintenant on pouvait en faire quelque chose ou pas du tout.
Ouais, on peut, hein. Rang 2. Les serrures experts. Parfait. Et après, ce sera les serrures maîtres. On en a ici, hein, normalement, des serrures experts. On n'a plus qu'à se téléporter sur les lieux en question, mais... j'ai envie d'aller chercher le dernier niveau. Voilà. On est un mulet. Officiel. Let's go nous téléporter, donc. Alors. Voilà, on a vu tout ça. Là, on a vu que du... Il n'y a que du plat. J'ai bien l'impression, rendez-vous dans le système qui est Eclipse machin. J'ai bien l'impression qu'il n'y a rien. Stockage. Tour de recherche abandonné. Je ne sais plus s'il y avait beaucoup de trucs ou pas à crocheter dedans. Le gazotu abandonné, il n'y a rien, c'est sûr. La zone d'atterrissage. Hein ? Ah oui, le labo de recherche, ok, il est là. On peut tourner la caméra ou pas du tout ? On peut aller se faire voir. Annule. Ah, supprime. Colline solitaire. Élément géologique inexploité. Allô ? Quelle est cette vue de merde ? C'est incroyable ! Mais on peut pas la tourner ? Non mais la dinguerie ! Comment ça inexploré? Comment ça Ou inexploitable peut-être, c'est... Mais inexploré, non. Inexploitable possible. Dans la mesure du possible. Et de l'envisagement. Envisagé, envisageable. Gisement océanique profond, exploré. Exploré. Inexploré. Mais t'es un marrant, toi. Pourquoi inexplorer alors que j'ai tout vu? On les a découverts, on y est allé. Ils sont cons. On se téléporte à tout. Je me téléporte tout partout, parce que visiblement, c'est inexploré. Et quand on arrive, en fait, si, ça va, c'est exploré. C'est... Parce que le problème, c'est que le radar de ma planète qui me dit qu'on l'a, l'a exploré qu'à 93%, bah, si c'est ça, en fait, oui. Voilà. Ah, super. Explorer, explorer. Inexplorer. C'est quoi ça d'ailleurs? Le gazoduc. On va juste refaire les deux bâtiments, je crois. Tour de recherche, je sais pas la plus importante. C'est la station de fret où il y a des coffres forts experts et maîtres à bord. Station de recherche, doit y en avoir aussi. Donc station de recherche, finalement, ça peut se faire, ça se fait assez vite, la station de recherche. Tac. V pour Vendetta. Mais avant ça, est-ce que j'irai pas déposer tout mon bazar? Zone d'atterrissage. Oui. J'irai déposer quand même tout mon bazar dans le vaisseau. Dans le vaisseau et... Ah oui, alors j'espère que les inventaires sont transférés d'un vaisseau à un autre. Hein. Bon, visiblement, lui, il est toujours là. J'ai toujours mes deux vaisseaux. Sidonia est une ville industrielle. Je suis ravi de vous décharger. Ah, c'est l'inverse. Je vais plutôt me recharger. Non, c'était bien d'être léger pour arrêter les conneries 5 secondes. Du fluor que j'ai piqué. On se voit plus tard. Ouais, on fait ça. On va aller voir la station de recherche déjà, ce qu'on peut mettre dessus. Station de recherche et puis vider l'inventaire
Avant de se rendre dans les différentes zones, comme ça on est bien, on est léger, on est tranquille. Oui, il faut monter, je crois. C'est très bordélique, hein, comme vaisseau. Non, c'est pas là que je veux aller. Ouais, c'est là que je veux aller. C'est là que je veux aller. Avant-poste. Ah, première vue, décoration 1, ça peut se déverrouiller. C'est tout. Donc s'il n'y a pas de point d'exclamation, c'est que... Si, si, c'est qu'on a des trucs. Mais le jeu ne nous le dit pas. Boisson 43%, on va essayer d'aller au bout. On a une épice, on n'avait pas plus. Je suppose que les autres c'était la même. Voilà, ils veulent des épices. Y a rien là-dedans. Mode de casque. Oh, cosmétique. Mode de casque 2. Donc là, ça veut dire que maintenant j'ai le droit de mettre les modes de casque 1 sur les casques. C'est ça que ça veut dire, je suppose. Je suppose. Je suis pute. Tac, inventaire. Saute. Inventaire. Oh, on a des calepins. On est si riche. Et un œuf étrange de plus. Un. Les soins. De toute façon, on pose tout hein, de manière générale. On va garder un injecteur sur soi. Ça suffit largement. Tout le reste, ça part. Munitions, tenues. Oh, on a des tenues qui traînent. Ouais. Non, mais on s'en fout. Ah, ça, c'est mieux. Ah non, ça a moins de résistance physique, évidemment, c'est ma combinaison étant, je suis bête. Oh, 20, par contre, il n'y a aucune résistance à rien du tout. À rien du tout. EM 10. Là, on a 15. Et on gagne 5 de physique. Point de vie et O2 plus 5. Santé plus 10. 5, salle d'ingé. Ouais, bof. Bof. Y'a rien qui m'a convaincu là-dedans. Casque de l'éclipse. Ah oui, du coup, on doit avoir les armures de l'éclipse aussi. Intéressant. Mais non. Combi de l'éclipse. Oh là là, elles sont tellement moins bien que les miennes. Triste. Allez, si, mon armure en plus. Soins, notes divers, bon on est bien, non, ah non, flingue, déposer les armes, hein, les petits amis, couteau antipersonnel, c'est ce que j'ai déjà, le Maelstrom, le Grendel, ça saute, un autre Maelstrom, ...78 de précision, 80,7, le mien est mieux. Legal et on est bon. Voilà. On est déjà bien plus léger. On dort une petite heure. Parce que c'est bien connu, si vraiment vous êtes en train de mourir, vous dormez une petite heure, ça va mieux. C'est officiel, hein. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Bethesda. Bethesda, c'est ce qu'il fait. Sur le départ. Donc. Allons-y. Trousson. Comme il se faut, oh, comme il faut cette zone. Réserve de stockage, c'est nul, y a rien. Tour de recherche abandonné, il y a des trucs. On y va. Et d'ailleurs, depuis cette tour, on va également en profiter pour voir si aux alentours, il n'y aurait pas justement des grottes ou des trucs qu'on aurait oublié de voir. Pour là, au vu de la zone, au vu du plat qui nous entoure, à première vue, la carte est telle qu'elle est là, et après le reste, n'y est pas le droit d'explorer.
qui m'étonne énormément, c'est qu'on ne voit pas de flore. Alors soit c'est parce qu'il faut mettre une colonie, soit c'est parce que y a une suite dans l'histoire qui fait qu'on revient ici, qu'il y aura une faune ou un truc comme ça. Enfin une flore. Soit sinon chez Po. Sinon ma meilleure réponse c'est chez Po. Ah, c'est des herbivores. Pas grand intérêt à flinguer des herbivores. Ça a pas l'air hyper convaincant. Il y avait des minis ici la dernière fois que je passais. Non, ça a l'air d'être bon. J'espère qu'Andron ne s'est pas régénéré en salopard. Ça a l'air d'être bon. Je fais un 360. M puis V. Hop. Finalement, un MV. Ouais, tout ça, ça a l'air d'être 1. Le plat absolu. Il y a l'air d'y avoir rien du tout par ici. Ou alors c'est tout l'inverse et j'ai rien compris et en fait tout est là-bas. Oula. Mais je pense pas. Ça serait un bon retournement de situation de la part du jeu. Je m'y serais pas attendu, va-t-on dire. Ça on n'a pas besoin. Non non. Ce que j'ai juste besoin c'est de trouver les coffres. Donc juste finalement on se met en scanner, hop. On va passer par la canalisation. Pour aller directement... Ah on pourrait. Bon après là toutes les portes mènent au centre hein, maintenant qu'on a tout déverrouillé. Mallette de munitions. Ah merde, il y a des gens. Il y a de nouveau des gens là? Sérieusement? Ah, puis ils ont fait le plein de crétins en plus! D'abord tes sbires, comme la dernière fois. Oh les gars, on est parti vendre une fois à la capitale, vous êtes déjà revenus. Putain, vous êtes dur de la quoi, non? Tu fais éliminer les squads, tu comprends pas que t'as rien à faire ici? Rien à avaler en vie, hein. C'est chaud, hein. Ouf. Je me suis pris un taquet de one shot. J'étais pas du tout prêt à me refaire un combat avec des mecs et tout là. Oh l'enfer. Oh, j'étais pas venu pour souffrir. juste pour dépouiller des vieux coffres éclatés. Waouh. Et puis le problème c'est que ça va m'activer, mais tout le monde là-dedans. Ça, c'est hyper chiant. Bon, bah, si on est parti pour combattre, hein. Let's go. Par contre, on va pas recharger toutes les 10 secondes, donc on va... Enfin, on va pas tous retaper, en tout cas, à chaque chargement, donc... on va faire une sauvegarde. Puis on va éviter d'aller directement dans la salle du boss, aussi. C'est une autre idée. C'est une autre idée que je viens d'avoir. Lumineuse, hein. On va faire comme la première fois, on va passer par la cantine.
Ouah. Mon couteau, qu'est-ce qu'il vaut mon couteau? Ok, le couteau c'est fat. C'est parti. Expert, allez, cette porte elle va tomber. Ok, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là j'ai un 4. J'ai un bon 4 qui s'emboîte nulle part. J'ai un bon 4 qui s'emboîte nulle part. Ensuite, pourquoi ça passe en bleu? Est-ce que c'est forcément pour un autre cercle? Je comprends pas. Je sais pas vraiment servir pour celui. Ah, c'est parce que c'est le bon. Et ensuite, il me faudrait un 2 comme ça. Ok. Donc non. Ah oui, maintenant il nous indique ce qui est bon de ce qui est pas bon, mais c'est un peu triché ça. On connaît. C'est pas possible que ce soit ça ta combi. Ta combinaison c'est pas ça. Il faudrait un cercle à... Hein? Qu'est-ce qu'il m'a fait le con? Qu'est-ce qu'il m'a fait ce con? J'ai rien compris. Qu'est-ce que... Placement auto B. Serrer le pass. Essayons B. J'ai pas tout compris. J'ai pas compris ce qui m'a bidouillé en fait. Ok, en fait, quand il m'indique du bleu, c'est que ça peut rentrer dedans, mais c'est pas forcément la bonne combinaison. C'est ça l'embrouillade. Ça rentrera pas, ça a pas d'intérêt. Ok, c'est de la merde. Toi, par contre, il y a une idée de projet peut-être. Et il m'en faudrait un 2, genre comme ça. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça, j'aurais voulu croire en toi, mais faut quand même pas déconner. Je peux pas croire en ça non plus. Oui, je comprends, ça rentre. Mais il me faudrait vraiment... toi. Eh ben, ok. Lui, il me dit qu'il rentre. Ah oui, il rentre comme ça. Et il me faut juste un 1. Ça se trouve qu'il doit commencer à exister plusieurs combinaisons possibles à ce niveau-là. C'est pas juste. Ah mais attends. J'ai lui aussi là qui tabasse. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un pistolet poison. Modifié poison. Je charge un nombre de munitions. On a beaucoup de munitions pour ça par contre. Assez précis. Grosse cadence de tir. Bah, c'est-à-dire que moins l'armure est élevée, plus les dégâts sont importants. Aléatoirement des dégâts de poison, il ralentit la cible. Bon, c'est chiant. Oh ouais. Hein. Les dossiers carnets hein, pour moi. Hein. C'est ça la vérité. C'est la seule vérité qui compte. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Bon, parfait. C'était cool. Qu'est-ce qu'on a ici? Voyons voir s'ils ont des trucs intéressants. Bah j'ai déjà projeté un coffre. Après je crois pas ici qu'il y en avait. De toute façon on fait faire un tour. Ah ils ont remis du stuff. Ou alors c'est moi qui ai oublié du stuff. Je préfère dire qu'ils en ont remis. Y a rien qu'on peut faire avec leur machin là. On peut pas découvrir des plantes. Des plantes. C'est peut-être moi qui avais oublié ça. Hein. Ok. Ok. Je suis t'inquiète, ça arrive.
On va buter un autre par ici. Il y avait quelque chose de valeur. Toujours quelque chose de valeur. Oh, regarde, quand on dit toujours quelque chose de valeur. On avait même laissé des petits calepins et tout. Non mais vraiment. Rien à faire avec ça, c'est bien dommage. Ok. Y a rien. L'avantage d'avoir déjà bien pillé un lieu, hein, c'est qu'en général, il n'y a pas grand chose à faire. Des poubelles, des machins. Pourquoi blu blu? Il n'y a pas d'ordi, de boîte à crocheter, il n'y a rien. Ok, pas ici, visiblement. Je passe son temps. Je me demande combien de découvertes capitales ont été faites dans ce genre. Ah si, il y a encore des choses par là. L'observatoire. C'est là où il y a le zélote. On finit par lui, on finit par lui. D'ailleurs, on pourrait s'offrir le luxe d'une petite sauvegarde. Ah oui, le couloir où on s'est tiré dessus pendant 8 ans. Ah, c'est réglé. Je sais même pas comment aller rentrer cette grenade dans le couloir, mais ok. Allez, on repart sur un petit tour de robot. Mettre à jour les paramètres alliés ennemis, recalibrer. Voilà. Excellent. Ok. Retirer les inhibiteurs de combat. Confirmer. Activer l'unité. Salut, ça vient, mon grand. Une cartouche, ouais, il faut vraiment que je change de flingue. Notre ami le tas de ferraille. Oh, ils ont pris cher. Alors, il n'y a pas un coffre ici. Ouais, mais c'est un coffre déjà hacké. Par là. C'est une simple vulgaire boîte de stockage également. Il y a une boîte là-bas. Je ne désactive pas par là ton alarme à la con. Non, ça a l'air d'être au-dessus. Alors, on va aller au-dessus pour la désactiver. Là, il y a une toxine. Ah. Non, il est sur 6 le pistolet. Oh, le mec il se la pète.
Oh, le fusil de papa, hein. Le grand serpent va vous attraper. Hein? Ok. Il n'y avait pas de... Ça me dit rien, cet endroit. Console de données de la planète? Ça me dit rien du tout. Télécharger les données planétaires recueillies. Données pour mers bouillonnantes. Pour mer bouillonnante, télécharger. Attends, t'es en train de me dire qu'en fait, on va devoir retourner sur tous les sites. Ça veut dire que oui, hein. Ça se projette pas. Un sac de minage épique. Ok, ok. J'ai un tube. J'ai un tube, je m'en fous, je compte ça comme une victoire. Alors là, regardez-moi ces 0,10 à 55 balles là. Voyez-vous le pognon. Le pognon. Le déluge de fric. Oh, j'aime l'argent. Et le jeu vient de nous régaler. Je pense que j'avais pas pris ce coffre jusqu'ici, hein. Je vous avoue que ça ne dit rien. Ça c'est quoi combiné pour combinaison spatiale? Moi j'ai débloqué que pour mode de casque. Ah! Est-ce que j'ai droit de modder ce casque? Je peux me faire normalement une protection. Non, il manque un cosmétique. J'ai plus de cosmétique. Dommage. On va peut-être aller couper ce machin là. Ça va être juste ici là. Voilà. Là, tais-toi. Je peux pas le couper. Pétage de plomb. Normalement là, il est censé y avoir des flammes, il y en a plus. On va repasser au pistolet. Qui est rudement efficace. Ouais, toutes les portes sont ouvertes. Sauvegarde. J'ai peur qu'on arrive sur la passerelle. Alors que c'est pas du tout ce que je veux. Je veux pas arriver sur la passerelle. Porte ouverte. Ok. Moi, ce que je veux, c'est des coffres. Non. Précision, je suis à chier. Ah. 27 XP par contre, tiens, le salopard. Le salopard, ça paye, hein. Il me reste. Il me reste aucun heal. Excusez-moi, hein. Soin. Si j'en ai deux, regarde qui traîne. 3 points de vie et 2 points de vie. J'ai pas mieux. Non, pas au corps à corps. En vrai. Non, le pistolet. Le pistolet au moins il tabasse. Et laisser le reste. C'est ce que je fais, hein. Yes. Ah non, c'est un maître.
Oh, des croques la pomme là. Yes. Oh. Oh, papa, il y a des ennemis à proximité. Putain. C'est encore un gars qui est là-haut. Mince, il y a un des coffres qu'on peut pas ouvrir, c'est chiant. Tac. Soin. Des croques la pomme, let's go. Hop 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 hop. Et une victime de plus. Le mec il est venu, il s'est fait tabasser. Je vois plus rien. Bah ouvre tes yeux. C'est ok hein. Ceux qui se posent la question, le couteau c'est un vrai argument. Il a sachez qu'il a des choses à dire. Ah mais ça sert à rien en fait. Alors là par contre je crois que c'était il y a des choses. Il n'y a pas un coffre hein. Non, ah c'était une glacière nulle. Ah non. On peut pas faire comme dans Fallout et prendre des canettes. C'est dommage. Ah non, j'ai échoué. Oh, de la cuisine. Alors, est-ce qu'on peut se boulotter un truc? Toujours pas. Toujours... pas du tout. Un vase de que dalle. Lui, je l'ai buté. Il y en a pas d'autres qui traînent. Il n'y a pas de coffre dans cette salle. Ah non, c'est un plateau. Ça c'est mort, ça c'est mort. On va littéralement retourner à l'étage. Faire un petit somme. Ah, parce que dans la salle de commandement, ils sont en train de trembler des fesses, en train de se demander ce qui se passe. Voilà. Vous êtes en forme ? Ouais, plus que jamais. Tac, 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 tac. Alors, je sais à peu près par où on va arriver sur la salle de commandement. C'est pas forcément l'endroit qui me plaît le plus, évidemment. Hop là, ça c'est pour moi. Ça c'est pour sa lustre. Voilà. Celle-là elle était fermée. Ok, alors. C'est le maître. Vas-y, c'est maître. J'en ai tué aucun. Allez, bah, en même temps je crois que j'ai tué le zélote. J'en ai tué aucun mais je crois que j'ai fumé le zélote. Je suis même pas sûr. Je sais même pas si c'était niveau 14 ou niveau 20. Si c'était niveau 20 c'était le boss. Hop là. Flingue. Le flingue il a fait ses preuves hein. On y retourne. Ce que le flingue lui a mis, ils sont encore en train de se demander ce qui s'est passé. Hein. Messieurs,
pris un petit critique qui l'a aidé à digérer. T'as tenté de faire quoi là? Et toi là-haut, tu fais quoi? Ici. Oh, l'abattage à bout portant comme un vieux chien. Parfait, hein. Alarme. Merci, tu cassais les oreilles. Hein. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est le coffre ici. Donc il y a une pièce qu'on peut pas ouvrir, c'est du maître, à savoir. Je vois que les boîtes ne se renouvellent pas d'ailleurs au passage, hein, ce qui veut dire qu'il faudra bel et bien revenir pour pouvoir looter le stuff de maître, puisqu'il ne se renouvelle pas. Seuls les crétins se renouvellent. Regardez, ceci est un crétin. Un autre crétin, encore un. Un autre par ici. Ils font très joli. C'est des guirlandes de crétins. Dans cette galerie, il n'y a rien à voir. On n'a pas éliminé un autre crétin quelque part? Je sais plus. Ouais, faut quand même fouiller un peu, voir s'il y a du crétin. Parce que le crétin, c'est ce qui va nous nourrir. Allez. Tablette, ça raconte quoi? Mode photo, carte de la surface. Ah, on peut faire jet ces cartes de la surface direct. Ah, j'ai rien dit alors. Enfin, c'est con de pas l'avoir mis sur M, hein. Mais bon, c'est pas grave. Ça aurait fait un conflit de touche. Ok, donc on connaît déjà. Ici, coffre, il y en a un. Il est vidé. Je l'ai craqué. J'ai pu craquer ce coffre là. Oui, un stylo là. Rappelez-vous, hein, c'est stylo sur le meuble aussi. Là, on n'a pas pu l'avoir. Hop, c'est bon, je l'ai. Vraiment 100% loot. Aucune pitié, tout sera looté. Ouais, bah écoute. Bah oui, on a tout fait. Hein. Il ne reste plus qu'à aller voir nos petits potes les pirates. Ah, je suis en surpoids. Du coup, le scientifique, on peut relooter ou pas? Non, non, du tout. C'est bien. Oh là là, ouh là là, ouh là là. Vous êtes un genre d'acrobate. Ouais, ça va être ça. Cirque du soleil. Ok, parfait. On est en extérieur. Elle est où elle? J'ai perdu Sarah Connor. Ah merde, elle est où Sarah Connor? Voilà, elle est là. Elle est pas rapide, hein. Yes. Hop, prends-moi quelques trucs. Je me demande où tout cela va. Oui, oui, je prends juste des flingues. Genre, juste, tu prends des flingues. Vous voulez voir ce que je transporte? Ouais, ça devrait être pas mal. Mon inventaire. Je regarde des flingues. On doit en avoir 15 comme ça. De 3 kilos chacun. Voilà. Allez, je peux bouger. Okay. Donc là on peut d'ailleurs, on va ce qu'on va faire, c'est qu'on va, alors si je me mets comme ça, pas comme ça, F,
sur la touche. Ah. Oula. Comment ça on peut customiser un vaisseau d'ici? Non mais... Arrêtez tout. F. G. Voilà. Ça, on l'a fait. Là, ce qu'on aimerait, c'est retourner à la zone d'atterrissage. Puisqu'on va pouvoir... Même si à pied, c'est pas très loin. En vrai, c'est beaucoup trop loin. On va à la zone de fret. Et la zone de fret, je crois que les seuls coffres qu'on pouvait pas ouvrir, ils étaient en hauteur. Ce qui est un petit peu embêtant. Hop. Je suis pas allé sur... Qu'est-ce que vous m'apportez? Toi, qu'est-ce que tu m'apportes? Tout ce qui compte. À plus tard. À plus tard, mon connard. Comme on dit dans le milieu. Mon canard, soit qu'il doit. Boum. Alors, pas le temps de liaison, on va aller ouvrir des pirates en 32. L'avantage, c'est que ça devrait nous redonner des cartouches de Maelstrom. Il faut dire ce qui est, on est dépendant de ces cartouches. Oh, stylé. Stylé le couteau de la marine coloniale, mais malheureusement inefficace. Ce fusil à pompe à 59, hein. 52, hein. Coup de crosse inflige deux fois plus de dégâts, hein, c'est quand même rigolo. Dos au mur, les dégâts augmentent à mesure que les points de vie diminuent. Ok. Posons ce pacificateur. C'est nul. 17. Il a furie, les coups consécutifs infligent plus de dégâts, vacillement, légère chance de faire vaciller les ennemis. Et il a un amplificateur. Et le mien, il tourne à... c'est un Equinox. Il est où mon Equinox? J'en ai un, moi. Oh. Oh. Ah bah c'est celui que je... C'est le mien. Je suis un débile. Ouais. Franche ça. Ça a l'air solide, ça. On va ranger celui-là. Sac à dos raffiné, oh, il a l'air solide aussi. Hein. On perd 15 en thermique, en résistance thermique, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Mais alors on gagne de tout. Hein. Un dégât corps à corps subi, moins 15. Et celui-là? On perd un peu moins. On perd notre corrosif. On perd un peu de physique. Pour gagner beaucoup d'énergie. Celui-là il a l'air cool quand même. Équipé. Ça part au tas. Alors casque nul. Ah, j'en ai plusieurs. Des tenues. Tenue de travailleur. Non. Voilà. Obligé de lancer Virtu. Hop 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 hop. Soot. Puis moi. Soin. Oui, je repars sans rien. Je n'apprends pas de mes erreurs. Alors. Alors. Qui est-ce qui apprend rien? Non, 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 annule. Parce que finalement, quand on fait une erreur, est-ce qu'on ne fait pas une erreur pour en recommencer une? Moi, je pense que ça. 72 flacons. Oh, à 55 balles. On va faire un peu de pognon. Hein. Et des échantillons scientifiques à plus savoir quoi en foutre. Parfait. J'aurais même pu ranger les notes, mais en vrai, il n'y a pas d'urgence. On peut se tirer. On peut se tirer. Le gazoduc, non.
La tour de recherche abandonnée, je viens de la saigner en deux. C'est pas le gazoduc que je cherche. Labo de recherche. Dépôt de fret. Ça va être blindé de pirates. Ça a l'air calme. On va sauvegarder. Et je vais le faire en off. S'il y a quelque chose d'intéressant, je relancerai l'enregistrement pour faire les coffres, etc. Et on se lancera tout de suite après sur les autres quêtes et compagnie. Mais pour l'instant, je pense que c'est pas très intéressant d'aller là-dedans puisqu'on l'a déjà visité. Sur ce, je vous remercie, c'était Knarfank sur comme d'habitude Gaming pour Starfield. Et je vous dis à